Eh, bébé Saos, t'as quel problème? Mon petit, t'as quel problème même? Quand vous avez vos problèmes là, vous pouvez pas fermer vos gueules là, régler vos problèmes seul. Blanc qui a créé Internet là, il sait l'utiliser. Mais nous qui n'avons pas créé Internet là, c'est sur ça. Sur Facebook, on chiot, on met nos culs comme ça, on prend photo. Et pour que les gens mettent j'aime. Ton papa est en train de mourir, il est comme ça, il est en train de mourir. Tu prends photo pour mettre sur Facebook, pour que les gens mettent j'aime. Tu es en train de divorcer ou tu es en train de faire quoi, quoi, quoi. Tu vas mettre sur YouTube pour que les gens puissent avoir des vues. Il y a ce qu'on appelle la vie privée, qu'on doit avoir privée. Et il y a certaines choses qu'on doit dire. Bébé Saos, tu me fais honte. Ah, oh, quand c'est dit la vérité, mon petit. Quand c'est dit la vérité, tu me fais honte. Toi comme ça, là. Toi beau gosse comme ça. Moi, je te connais, je t'ai vu au terminus 27. Putain, tu me connais pas encore. Parce que peut-être j'ai grossi, j'ai pris un peu de poids. Mon petit, je te connais. On a mangé garba ensemble. Je te connais avant que tu ne danses, toi. On était ensemble, mon petit. Avant que même je ne vienne en Europe, là, tu le savais. Je te connais. Oh, mais hey, t'es un beau gosse. Arrête tes conneries, là. Tu pleures comme une femme, quoi. Quand j'ai vu ta vidéo, ça m'a fait honte. Vanessa m'a quitté, oh, Vanessa m'a quitté. Elle est venue à Abidjan et elle ne m'a pas vu. Hé, mon petit. Un vrai oui dit, là. Quand une femme le quitte, là, ça fait mal. Il est seul dans ton coin, il reste, il transpire comme ça, il prend une décision et puis passe à autre chose. Hein, mon petit, fallait pas mettre ça, faut pas gâter ton nom comme ça. Je pense que tous ceux qui te suivent sur Internet, là, quand ils ont vu que tu as écrit Vanessa sur ta poitrine, un tatouage, je pense qu'ils sont déçus eux tous. Beaucoup. Moi là, j'ai tatouage, mon petit. J'ai tatouage. Mais moi, mettre nom de femme, de ma femme ou de ma copine, sur moi, mon corps. C'est que vraiment, cette femme-là, ton corps, c'est ton corps, c'est ton domaine, c'est ta vie, ton corps, c'est ton habit. Tu mets le nom de quelqu'un, une autre femme, sur ton corps. Oui, c'est parce que je l'aime, Vanessa, je l'aime. Mon petit, tu l'aimes là. Est-ce que tu lui as posé la question si elle t'aimait? Bébé Sans, quand vous aimez les femmes là, posez-leur aussi la question. Quand tu partais à la mairie, tu étais content, non? Tu as signé, tu étais content, non? Et maintenant, pourquoi tu pleures? Est-ce que tu vois la fille là? C'est pas pour la défendre, hein? Nous, on pense que nous, les hommes, on pense que les femmes, elles sont bêtes, elles sont pas bêtes, hein? En cas, prendre les femmes au sérieux, hein? C'est des intellectuels, hein, ils sont intelligents. Hein. Nous, on pense que oui, on a la bite, la grosse bite, là, on va se promener, là, on va les chercher. Elles vont dire oui. Non, non, elles aussi, elles ont le mind, elles réfléchissent. Hein. Elles réfléchissent. Hein. C'est des femmes, hein. Elles réfléchissent, ce n'est pas des moutons. Hein. Quand tu le posais, là, quand une femme qui est tout le temps prête à partir, elle comment s'appelle? Elle se marie, elle divorce, elle part. Elle part. C'est elle tout qui part. Et cette femme-là, tu te maries avec elle, ton tour arrive, elle part, tu pleures. Au lieu de te taire, mon petit, continue ta vie, les gens même vont te respecter. C'est toi qui es sur Internet. Non, oui, je pleure. Et je dors pas, je fais comme ça. Est-ce que Vanessa, là, tu as vu vidéo sur Internet? Moi, j'ai tapé Vanessa, hein, pour voir si elle a fait vidéo pour répondre. Je n'ai pas vu de vidéo. Elle est calée dans son coin. Elle te prend pour un pépéro, pour un enfant, pour un bébé. Elle t'a mis ça comme ça en profondeur. Ça, elle t'a mis en profondeur. Elle est tranquille dans son coin avec son nouveau chéri. Et toi, tu es sur Internet, tu pleures. Vanessa ou Vanessa, Vanessa ou Vanessa. Elle va pas revenir ou elle sait pas. Que même si elle revient, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux revivre avec cette fille-là? Ah, mon petit, bébé sens. Ah. Bon, je vais arrêter, même arrêter là parce que là, il y a des choses qui font chier, qui font mal et qui font rire.
Tu me fais honte, là. Quand je veux te parler, même ça me fait mal. Tu es un beau gosse. Femme, te quitte. Hey, mon pire. Qu'est-ce que tu n'as pas, bébé, ça aussi, dis-moi. Qu'est-ce que tu n'as pas sur toi? Hey, je l'aime, je l'aime. Oui, je l'aime. Hey, quand on aime une femme, là, je vais te dire. Quand vous êtes mariés, là, on dit pour le meilleur, pour le pire, n'est-ce pas? Quand vous êtes marié là, le meilleur pour le pire là, le meilleur là, vous l'avez vécu. Le pire là, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Si tu l'aimais vraiment, le mot aimer là, tu n'allais pas exposer son nom sur Internet. Tu allais respecter son choix. Tu allais dire, bon, vu qu'elle m'a quitté, elle est partie avec un autre, je respecte son choix. Je ne vais pas crier, je ne vais pas faire des vidéos, la dénigrer, faire ceci, cela. Je reste, je la laisse. Ça, mon petit, tu l'aimes. Eh oui. Viens voir, viens voir, viens voir les tontons. Va voir les tontons à Bignan là-bas. Ils vont te donner des conseils. Moi, j'ai divorcé. J'ai divorcé aussi, mon petit. Mais jamais j'ai cru le nom de ma femme comme ça. Viens, non, je la protège, même mon ex-femme. Hein? Mon ex-femme. Souvent, je lui envoie des SMS pour lui dire mon dans le temps, hein, maintenant ça fait des années que j'ai divorcé. Je lui envoie des SMS. Et alors, ta vie amoureuse, c'est quoi? C'est comment? Tu as trouvé quelqu'un, mais lui, non, tu sais, ça m'intéresse pas et tout. Jusqu'à aujourd'hui, elle a trouvé quelqu'un. T'as compris? Là, moi, je l'aime. Je peux dire, je l'aime. C'est vraiment mon petit. Parce que je me soucie de. Elle a vécu avec moi, on a partagé des choses. Je me soucie d'elle. Aujourd'hui, elle est bien. Je n'irai pas crier sur tous les toits. Elle est comme ça. Si tu aimes ta Vanessa, que tu as écrit son nom sur ta poitrine, c'est toi-même là, tu allais l'appeler pour dire, écoute ma petite, c'est comment? Tu es ma femme aujourd'hui là qui m'a veillé. C'est comment? Tu sors avec un footballeur? Bon, écoute, cherche à me voir. Bon, voilà comment on va faire. On divorce tranquille, là, un divorce amiable, tranquille. Et chacun va de son côté. Moi, je te souhaite le meilleur, quoi. T'en prie, on a vécu un bon truc, je t'aime toujours, mais je ne vais pas te mettre les bâtons dans la rue. Vas-y, va vivre ton amour. Moi, je vais rester seul dans mon coin. Peut-être un jour, je tomberai sur une autre. Hé, mon petit, si tu fais ça là, ça c'est parole d'un garçon. Elle va te regarder, elle va te regarder, elle va te respecter. Mais ce que tu es en train de faire sur Internet là, elle est dans son coin, elle rigole. Elle dit, mais peut-être, bébé, ça, c'est un pépéro, c'est un enfant, quoi. Je le quitte, regardez comment il est paniqué, il est paniqué, il perd ses réflexes. Allez, ciao, je vous aime. Hey, Kiss Love, on ne joue pas avec lui, hein. Je vais toujours vous parler. Allez, ciao, mes gars.